Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On se réveille, bon il est 11h. Les enfants sont rentrés hier soir de chez, enfin de vacances avec leur papa. C'est difficile de les retrouver. Vous avez zappé combien ils étaient chiants, bruyants, énervants. Puis là ils reviennent de chez leur père où il n'y a pas les mêmes règles, alors je vous raconte pas. Mais du coup ils se sont endormis super tard. Donc moi, bah, pour pouvoir bosser, profiter, etc. du temps libre, j'ai dû attendre après 22h. Donc je me suis couchée super tard aussi. Donc ce matin, c'était dur pour tout le monde. Surtout Théa, elle s'est quand même réveillée à 9h alors qu'elle a dû s'endormir à 22h. Elle était insupportable ce matin. Elle a voulu se lever, faire pipi, machin, tout ça. Bon, c'est bien, hein, mais elle a retourné à la maison. Et là, on doit aller faire des courses. Ça fait comme... Ouais, on doit aller faire les courses, ça ferme à 12h30, donc on se dépêche. Là, je suis en train de leur préparer des affaires. Ils sont contents parce qu'ils se battaient toujours. On avait une seule tasse qui avait été offerte par Mylène et Bubu. Et ils se battaient tous les deux tout le temps. Et du coup, je leur ai acheté une tasse chacun chez Action. C'est des toutes petites tasses, donc c'est adapté. J'ai pris la même hein, pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Il y a différents visages, mais je me dis, ouh, on va prendre la même parce qu'ils vont se battre. Donc voilà, ils sont contents, tous les deux ce matin, ils ont trouvé leur petite tasse et il n'y a plus de bagarre. Coucou Tété. Celui-là, il tirait. Hein. Du coup, j'ai ramené Meiko. Meiko, bonjour Coco. Pour qu'il puisse profiter un petit peu du jardin. Il y a un enclos ici. Enfin, un enclos. Hop! Vas-y, Coco. Vas-y, tu peux brouter de l'herbe. Te ramener une gamelle d'eau. C'est des bons couilles. C'est bon. Voilà! Oh, il va être content, le Coco, ici. Il va se dégourdir les pattes. Ah oui! Bah, tu vois, tu peux rentrer avec lui si tu veux, tu sautes par-dessus. Tu fais attention, tu l'écrases pas. Hein. Il va être content, ça va lui faire du bien d'avoir de l'espace comme ça. On va lui ramener un bol d'eau. Il va fêter l'anniversaire de Papou qui est rentré de l'hôpital. Ouais, bah, il gaffe pas. Il y en a plein qui t'ont dit bon l'établissement et tout. Hein. Bah, la semaine prochaine, ça ira mieux. Tout ça pour une petite appendicite, bah mince. Ah non, 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 limite périphonique. Bah oui, ça oui. Vu que je suis encore sous antibiotiques. Sympa le cadeau d'anniversaire. Hein. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il a acheté l'année dernière? Maman, oui, c'est moi qui ai recouvré comme ça. C'est bien mon chat, bravo. Je te la fierai, mais moi j'en ai aucune. Je peux faire le bracelet à papa. Oui, maman m'a dit l'achète pour les jeunes. Il l'a aucune, l'avait pas fait, et puis je m'en suis pas servi. Attends. C'est gentil, mais. Oh bah ça y fait plaisir, hein, tu sais. Oui, ça trop beau. Guy, comme il peut plus, je pense qu'il a envie de faire plaisir. Ah non, je croyais que t'avais été perfusé là. Mais non, c'est des allergies que j'ai fait. Ah. On va dire, tu l'aurais vu, t'aurais cru qu'il avait trop beau. Elle est magnifique, j'adore. Gardez-le, Coco. Mais, ils m'ont fait des conneries. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon pauvre? Hein? C'était ta gamelle d'eau, mon cœur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais remettre de l'eau après, c'est pas grave. Le concombre, il est imbibé d'eau. On trouve moche. Bon, du coup, là, on s'échappe. Ma soeur qui conduit, j'ai peur. Oh, il y a des airbags dans celle-là, ça va. On n'a pas le choix, bah. Parce qu'il n'y a pas la clim dans ma voiture, donc on est quand même vachement mieux. On a emmené Loulou parce qu'ils sont un peu genre les deux. Je me vois pas laisser les deux à ma mère. Puis à... Oh, il y avait Kevin, remarque. Mais si je juste réveille, ça fait quand même 3 enfants pour 2 adultes valides. Donc voilà, on s'échappe parce qu'il y a une foire à tout là juste à côté. Bon, au pire, ils sont là, c'est pas grave, c'est sympa. Oui, donc on s'échappe toutes les deux. Puis tu le dis bonjour. Tous les trois. Tous les trois, mon amour, tu as raison.
On n'a pas de fauteuil, mais c'est vraiment, c'est à même pas 2 km. Ouais. Donc, on va faire un petit tour. Ça fait longtemps les foires à tout. Ça fait plus d'un an, ouais, avec le Covid. Donc voilà, je suis archi moche aujourd'hui, mais c'est pas grave. Voilà. Oui. Est-ce qu'on pourra choisir des trucs? On verra, on verra, on verra. C'est la Charlotte. Oh, bon, là je vous reprends, il est... Quelle heure il est? Aïe! Taper la cabane dans le dos là, c'est la maison de poupée de quand j'étais... J'adore quand j'étais petite, pas du tout, je l'ai acheté. J'étais déjà ado, enfin grande, mais attention à tes dos. Non, on la laisse, on va dodo. Là t'as ramassé tous tes jouets? Le doudou, tout ça, je l'avais acheté parce que j'ai toujours été passionnée. Mais non, c'est pas une boucle d'oreille, j'ai toujours été passionnée par les poupées, donc j'avais acheté ça dans le but de la meubler avec la redoublée et tout. Et je l'ai jamais fait voir. Donne! Ah, mais tu l'as tout cassé. Franchement, elle est terrible. Bon, je vais la... Tu sais quoi, je vais la reprendre, la maison de poupée. Je vais la revendre parce qu'elle est trop petite, elle casse tout. Je vais vous montrer à la foire à tout. Du coup, avec ma soeur, on a trouvé quelques trucs. Pas grand-chose, mais attendez, je vous pose. Je vais vous montrer... Ça, non, ça, c'est la poupée... De quoi? Quoi? Bah, si, regarde dans le salon. Ma mère, elle a trouvé ça pour Théa. Attendez, on se trompe. Non, 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 tu les as déjà mises toute la journée, ça suffit. C'est des bottines, elles étaient toutes neuves. Il y a la boîte et tout, elles ont, de toute façon, ça se voit, il y a le prix dedans, encore 35 euros. Et on les a eu pour 5, enfin ma mère les a pris pour Théa pour 5 euros du coup. Trop canon, j'aime trop. Donc voilà pour ça. Après, j'ai trouvé un pantalon léopard pour 1 euro. Dans les toilettes. Un petit pantalon comme ça, léopard, il est vachement sympa, je vais laver tout ça. Attends. Je me suis trouvé une veste de... C'est pas vraiment un blazer, mais une veste en plus 1, 2, 3. Attends, vous êtes... J'aime trop. Bon, là, ça donne pas de ouf. Mais genre, j'en voulais une. Non. J'en voulais une et bah, ça coûte hyper cher, là, surtout que là, c'est là. Je me voyais pas mettre 40 balles si je suis pas sûre de la mettre, parce que c'est pas mon style du tout, mais j'ai envie de changer un peu. Donc là, 2 euros. Donc là, je l'ai payé presque rien. Tu fais trop de bruit. Et pour Théa, j'ai trouvé ça. Et là, Théa, choupette. Trop mignon. Ma mère, elle lui a pris aussi quelques vêtements, mais du coup, elle va me les laver. Donc là, voilà, ça m'évitera d'avoir trop de trucs à laver. Hein? Bon, je suis HS. Je suis fatiguée. Je vais coucher ce petit monstre qui s'est levé bien trop tôt ce matin. Hein? Tu vas au dodo? Non. Si? Tu viens dire bonne nuit? Oui, oui. Mais dès qu'on allait poser là.